est là pour s'amuser et profiter du week-end. Mais voilà, c'est un petit challenge et à faire en couple, c'est hyper agréable, quoi. Alors salut, moi c'est Hugo, vous me connaissez peut-être par rapport à l'émission Koh-Lanta. Voilà, j'ai fait Koh-Lanta en 2012 et 2021. Et donc voilà, on est aujourd'hui avec Lisa pour faire le swimrun en couple. Ouais, bonjour, Vincent Clerc, ancien rugbyman pendant 17 ans à Toulouse, à Toulon, à Grenoble, quelques années en équipe de France et retraité depuis 4 ans. Et voilà Caroline, la première concurrente du jour. C'est d'abord l'envie de partager avec ma femme une expérience qu'elle vit depuis plusieurs années. Je la vois prendre beaucoup de plaisir et quand elle m'a proposé de la rejoindre sur cette aventure, ben, j'ai trouvé que l'expérience était quand même belle. Pourquoi on fait le défi d'elle? Parce que je suis soumise. parce que c'est top. Voilà, Christelle m'en a parlé sur Koh-Lanta d'ailleurs, c'est assez marrant. Et elle nous a invité une première fois à Font-Romeu. Et là, cette fois-ci, c'est le côté plage du truc. Donc défi d'elle, on s'est bien marré la première fois. Et je trouve que voilà, le fond, la mixité aussi des participants fait que je trouve que l'ambiance est absolument extraordinaire. Et voilà, c'est un moment à la fois sportif et surtout très humain. On galère un peu, en vrai, on s'entraîne pas vraiment. On est là pour s'amuser et profiter du week-end. Mais voilà, c'est un petit challenge et à faire en couple, c'est hyper agréable, quoi. Je fais un peu de natation, je suis inscrite dans un club de tri, mais je fais que la natation une fois par semaine. Aucun des deux? Aucun de non. Tous Sport de référence, c'était plutôt la course à pied, mais plutôt sur des distances, on va dire, courtes. Donc petit à petit, il va falloir que je me mette à courir un peu plus longtemps. Non, sport de référence, on est bien randonnée. Nous, on aime bien la randonnée de base. VTT, escalade, surtout tout ce qui est outdoor, quoi. Sport outdoor, nous, c'est vraiment la base, quoi. Natation, si, j'ai toujours bien aimé ça, c'est pas un point faible, mais on peut pas dire que ce soit un point fort non plus. Oui, non. La première fois pour madame pour le swimrun et la deuxième fois pour moi. Moi j'ai fait swimrun Côte Vermeille, mais je découvre l'activité, je l'ai fait une fois et ça m'a vraiment plu, donc content d'en refaire un aujourd'hui. Un swimrun, non, c'est la première fois. Non, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je vais nager avec des baskets. Donc voilà, j'ai vu ma femme le faire l'année dernière. Je l'ai vu s'entraîner dans la piscine. Moi, pour l'instant, j'ai pas testé. Je voulais garder toutes les surprises pour aujourd'hui. Ouais, c'est de la découverte. Donc stressé, non, pas stressé. Là, je viens d'essayer la combinaison, donc super. Je pense que ça va m'aider. Et ouais, c'est une nouvelle aventure et je trouve ça sympa. Je me sens plutôt bien. Non, j'ai pas de stress particulier. Je suis là aussi pour prendre beaucoup de plaisir, voilà, le partager. Il y a l'expérience de Valérie qui m'a raconté un peu comment c'était passé. Donc voilà, non, il y a vraiment une dimension plaisir qui est là aujourd'hui. Puis franchement, c'est le site est juste magique. Donc voilà, j'ai envie d'en profiter.